through the community action core group members. So they move from one community to the next. So for example, if there are say 20 communities within a district that has initiated this reading camp project, then they go around to train the community volunteers, the facilitators, so that it is something structured for them to know how they can implement the curriculum. The next stage. Next slide. So it takes time before it looks okay. Okay. So as we are waiting for the next slide, we have the methodology that we adopted. The research was purely qualitative. So we have key informant interviews that were conducted, and we have focus group discussion that was also conducted, and we did reading camp observation. Now, the reading camp observation, we observed how the reading camp activities take place. And the focus group, we have focus group with parents, we have focus group with the facilitators, and we have focus group with, the facilitators, the parents, and the children. Because we also try to find out how the facilitation takes place within the community, within the reading camps, so that the children can give us the actually what they are experiencing. So we have all this interview. The first phase of the study, we used 20 communities. And the second phase, the round two, we used 10 communities, because round two was something to find out whether when we visited the camps, the first round, if there had been any changes that has taken place. But that one is not part of this discussion. So in our conceptual framework, we use the DFID, marginalization framework. Because we believe that in this research, children that are marginalized, especially the girls, there are children who do not have parents, children are living with relatives, all these children are within the community. So we are trying to find out how best the reading camp concept could help them so that they can also improve their literacy. Okay. Yes, it was good. I think I was told that I should bring my presentation because in case technology fails me, and it has failed me. Okay, so we have a reading camp volunteer, the reading camp facilitator who are volunteers. So they teach them about reading, singing of songs, poems, poetries. Now, when we did that, we observed that in spite of all that is happening, there are some limitations that were still affecting the girls and boys. Participation in the reading camp activities and the ability to read. So we have some quotes from the children. One girl said, girls are likely, that's the local community groups members, said, girls are likely to be engaged in household chores, and which is common in our African concept, because the girls, they use them to support their parents. Some of them, they use them to carry their younger siblings at home. So after school, when they are supposed to go to reading camp, where the reading camps are organized during after school hours. So after school that they have to go to the reading camps, the parents use the girls to help them. Some are carrying their younger siblings, others are helping their parents to cook, so they didn't get chance. And when they come to the side of the boys, they also help on the farms. They use the small, small boys. Some parents even keep saying that, the child has gone to school the whole day, so why do I have to keep the child away again? We need the child to run errands for us. So all these things are challenges that are also affecting the reading camp. But we noticed that there are a lot of benefits that were coming out of the reading camp participation. Children had the confidence to read, and they enjoyed reading. And the study also showed that a lot of children were interested to go to school because when you go to school and they ask you to read, you know you can read, so you are not shy again. Some of the children also can read Bibles, as the parents also testified. So it raised their confidence in terms of ability to read. And because they can read properly, it is also impacting on the other subject that they learn at school. So in conclusion, I would say that the reading camp is helping children to improve literacy, because though we haven't finished the whole study, the first round has demonstrated that there has been significant improvement in the children's literacy
if you even back it up, because we are limited, we couldn't back it up with the data that we gathered from the schools, because the school has been carrying on assessment to see how the children are performing in terms of those who go to reading camps and those that do not go to reading camps. And the parents have also demonstrated an interest in the reading camp activities, because it has, they have seen that the children are improving in terms of their reading, which is also impacting on their learning in school. So we have some few recommendations that we could make. One, because it is community volunteers that are supporting, we have noticed that there is the need for people to be supported. The community members, the volunteers must be supported. They need to be remunerated. They need to give them some motivation. Maybe there's some communities are giving them incentives, but that is not adequate. We are also recommending that the English, which was being used, we are recommending that they should use the local language, as it was even manifested in the first presentation. Because of the local language, it is building their confidence for the children to improve. One thing that has also noticed, they mentioned data in the morning session. And our president is talking about how to increase the number of libraries in the country. And now, if you have this data to show that the mini libraries, which you call them reading camps, is being adopted, it means that we have to get permanent places, because it's a challenge for the reading camp activity. We get a permanent rooms where the children can go and they can do their reading so that they can also improve their reading and writing. You know, in Africa, it rains a lot. So if you don't have permanent places, if you could see from the screen, they are sitting outside, especially sometimes they do it under trees on their open. So if there are permanent rooms where they can do it, they can hang their print-rich materials. That is permanent. So in case a facilitator is not there, they have something to read. That is also improving their reading. Thank you very much. Merci. Vous avez encore deux minutes, hein? Donc c'est pas longtemps. Alors on va passer au dernier groupe. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de questions à poser parce que on est pris par le temps. Certainement dans la grande salle, on pourra en débattre. Voilà. Donc on va passer à la dernière communication. Monsieur, vous avez la parole. Bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Manangawende Girobial Ouedraogo. Enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'école normale à Kourou au Burkina Faso. J'ai le plaisir de vous présenter le fruit de ma recherche sur les déterminants de la réussite en lecture en début de scolarité chez les élèves sans préscolarisation. Il faut dire que cette réflexion s'inscrit dans le contexte de l'ODD 4 qui vise la promotion donc de la qualité. Et justement, l'un des volets ciblés dans l'évaluation ou dans l'appréciation de la qualité d'un système éducatif, c'est entre autres donc le niveau des apprentissages. Et justement, l'UNESCO dit que des niveaux d'apprentissage très faibles poussent des millions d'enfants à quitter le système éducatif avant d'avoir acquis les compétences de base. Alors, parlant donc d'acquisition de compétences de base dans le système éducatif, il y a des matières dites instrumentales, notamment la lecture. Et justement, selon le PASEC, un niveau de compétences insuffisant en lecture limite la capacité de poursuivre la scolarité. Alors, notre étude, donc, va s'intéresser à l'apprentissage de la lecture en début de scolarité dans une perspective exploratoire des facteurs sociologiques favorables. Alors, le problème, c'est lequel? C'est que déjà, au niveau international, les évaluations PASEC révèlent des niveaux d'acquisition très faibles en lecture, donc des niveaux de compétences. On a 70% des élèves qui n'ont pas atteint le seuil suffisant de compétences en lecture au PASEC 2014 et 55,5% au PASEC 2019. Au niveau du Burkina Faso, les résultats du PASEC de 2014 montrent que 64,5% des élèves n'ont pas sont sous le seuil de compétences en langue et 65,8% au PASEC 2019.
Au Burkina Faso, il y a ce que nous appelons l'évaluation nationale des acquis scolaires, qui est une évaluation instituée par le ministère en charge de l'éducation nationale et qui a lieu tous les 2 ans. Alors, cette évaluation montrait en 2014 que seulement 8,6% des élèves de CP1 savaient lire et seulement 16,5% au CP2 en 2016. Alors, pourtant, il ressort qu'en début de scolarité, les élèves ayant fait la maternelle performent mieux en langue et en mathématiques comparé à ceux qui ne l'ont pas fait. C'est notamment une des conclusions de PASEC 2019. Et justement, l'évaluation nationale des acquis scolaires au niveau du Burkina révèle que les élèves qui sont passés par la maternelle performent véritablement mieux que ceux-là qui n'y sont pas passés. Pourtant, dans le pays, au Burkina Faso, nous n'avons qu'un taux national de préscolarisation, soit seulement 6,2%. C'est-à-dire que la grande majorité des élèves donc, rentrent dans le système sans avoir fait le préscolaire. Et du coup, on peut donc se dire qu'il y a des élèves donc, qui n'ont pas fait de préscolaire, mais qui réussissent bien en lecture. Diapo. Alors, l'objectif de la présente recherche est donc d'identifier les caractéristiques scolaires et extrascolaires des élèves qui réussissent en lecture sans avoir fait le préscolaire. Nous nous sommes donc référés au socio-constructivisme, voilà, selon qui donc l'apprenant construit ses savoirs à travers les interactions avec son milieu environnemental et social. Alors, l'hypothèse sur laquelle donc nous sommes allés pour l'analyse, c'est que même en l'absence de préscolarisation, l'élève réussit en lecture lorsqu'on peut observer chez lui des dynamiques sociales et scolaires favorables et des dispositions individuelles pro-scolaires. La zone d'étude, nous sommes restés dans les périphéries de la capitale Ouagadougou parce qu'on y retrouve un peu de toutes les couches socio-professionnelles et donc socio-culturelles. Et c'est une recherche essentiellement qualitative. Et nous avons utilisé donc des guides d'entretien. Et les cibles, c'est d'abord donc les élèves de CP2 donc, qui sont performants en lecture, bien que n'ayant pas fait le préscolaire. Et dans chaque classe, nous avons ciblé le meilleur garçon et la meilleure fille pour voir s'il y a des différences liées au sexe. Et nous l'avons fait dans 10 classes. Alors, au niveau des parents également, c'est-à-dire que les parents des élèves enquêtés ont été à leur tour enquêtés, de même que les enseignants des élèves qui ont été enquêtés. Okay. Alors, les résultats auxquels nous sommes parvenus, d'abord dans les familles, nous avons observé dans la fratrie des pratiques quotidiennes d'activités collectives de littératie, c'est-à-dire que on voit qu'entre frères et sœurs, il y a régulièrement des activités de lecture, de révision, de dictée, etc. Alors, on observe également dans ces familles des élèves qui réussissent sans avoir fait le préscolaire, on observe des perceptions positives du livre et de l'écrit. On a eu les entretiens auprès des parents qui nous font voir qu'en vérité, eux, ils perçoivent le livre comme une richesse familiale. Et on observe également des discours et des comportements valorisant l'école et la lecture. Il y a ce verbatim, par exemple, que je cite ici, « Celui qui sait lire voit de loin les problèmes et les enjambes. » Et enfin, toujours au niveau des familles, on observe des discours et des gestes pour susciter le plaisir de lire. Il y a, par exemple, ces parents il y a eu 2 ou 3 parents, par exemple, qui disent que quand ils suivent la télé et qu'il y a des sous-titrages en français, ils ne comprennent pas, ils demandent à leurs enfants de traduire pour eux. Alors, au-delà de la famille, qu'est-ce qu'on a observé au niveau de l'enseignant? On a observé une analyse introspective sur son rôle en classe. Il y a ce verbatim, quand je prépare une leçon de lecture, je tente d'imaginer les difficultés de déchiffrage à l'avance et je prépare des exercices. Alors, je n'aime pas la routine. Alors, on observe également chez l'enseignant un effort pour des apprentissages entre pairs.
Dans la plupart des classes, on a observé que les enseignants priorisent donc des travaux en binôme. Un élève fort qui accompagne un élève moins fort. Et enfin, toujours au niveau des enseignants, on observe que l'enseignant exploite le déjà là, autour de lui, notamment dans le milieu. Par exemple, après avoir étudié un son, il demande aux élèves, en rentrant, vous cherchez le son sur les enseignes des boutiques, etc. Ou alors, quand certains élèves éprouvent de la difficulté à déchiffrer un son ou à le prononcer, il fait recours au son dans la langue nationale. Et là, quand l'élève arrive à faire le lien, il parvient à prononcer correctement. Alors, et enfin, qu'est-ce qu'on a relevé chez les élèves eux-mêmes? On observe une motivation autodéterminée à lire. Les élèves qui réussissent sans avoir fait le préscolaire sont eux-mêmes autodéterminés. Ils affichent une grande motivation pour la lecture et ils lisent tout ce qui est à leur portée. Alors, il y a également qu'on observe que l'élève lit régulièrement par choix, en dehors des obligations scolaires. Dans les familles, les parents ont témoigné qu'ils ne donnent jamais d'ordre, par exemple, à ses élèves de faire des révisions, de lire spontanément. Les élèves y vont. Et enfin, on observe que chez les élèves, il y a comme une sorte d'autonomie à l'activité de lecture. Dans la famille, s'ils trouvent des journaux, ils lisent dans la rue, sur les papiers d'emballage, de gâteaux, etc. Ce sont des élèves qui sont prompts à lire. Alors, diapo. Alors, au regard de tous ces constats, nous avons pu identifier principalement ce que nous allons appeler trois pistons. Il y a d'abord le piston famille. C'est-à-dire qu'au sein de la famille, on constate une forte stimulation à la lecture, aussi bien de la part de la fratrie, des frères et sœurs, que de la part des parents, même analphabètes. Il y a également le piston enseignant. C'est un enseignant qui est plein d'initiatives, qui est réflexif sur ses pratiques et qui s'ouvre au milieu, qui envoie les enfants lire en dehors de l'école. Et enfin, nous avons le piston interne à l'élève qui repose essentiellement sur ses désirs, ses intérêts, ses motivations pour la lecture. Alors, à partir donc de ces trois pistons, nous avons proposé trois recommandations. La première, par rapport au piston famille, nous proposons par exemple qu'on intègre au cours d'éducation morale et civique des séances de méthodes de travail scolaire à domicile pour stimuler et optimiser le soutien de la fratrie. Parce que effectivement, l'étude a montré que le foyer reste comme un creuset d'apprentissage. Comment donc vraiment stimuler davantage voilà. Alors, si dans les classes, on initie les enfants à s'encadrer entre eux à la maison, nous pensons que cela peut vraiment aider. Il y a également le piston enseignant. Il faudrait peut-être orienter les formations en dehors de la didactique pour également essayer d'orienter cela plutôt sur les pratiques et notamment la réflexion sur ce qu'on fait pour s'améliorer. Et enfin, pour le piston interne à l'élève, il y a lieu de promouvoir, par exemple, les bibliothèques scolaires pour justement accroître l'accès et surtout multiplier les occasions et les supports pour soutenir davantage, donc souvent, cet éveil à la lecture qui existe chez certains enfants. Alors, pour terminer, nous dirons que cette étude peut se poursuivre à travers un approfondissement, notamment en ayant des observations directes dans les familles, en dehors donc des entretiens que nous avons eus. Il serait bien d'aller faire des observations directes dans les classes et dans les familles pour renforcer les premiers résultats obtenus. Nous pensons que c'est ainsi que nous pourrons aider nos enfants à mieux lire et donc à mieux réussir dans les autres disciplines et à mieux réussir leur scolarité et intégrer parfaitement la société. Je vous remercie. Merci. Comme il n'y aura pas de débat, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont des liens. Par exemple, la question relative
à pouvoir travailler sur les obstacles. Et donc, c'est vraiment toute une réflexion sur le travail ici pour chercher à comprendre les déterminants de la réussite. Pourquoi ne pas aussi se questionner autrement, par exemple, savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque et comment on peut s'en sortir pour ces enfants-là. Et surtout, c'est le gros lot hein, des enfants du Burkina Faso. Donc, peut-être qu'on aura de tels débats dans la salle pour pouvoir alimenter notre discussion. Alors, nous sommes pressés par l'organisation. Hein, et donc, oui. Oui. Effectivement, si vous avez des questions relatives à chacune des présentations, vous pouvez les noter et nous les faire parvenir. Voilà. Okay. Just maybe just to say the last word is that given that we are not going to be able to have the discussion session, what we were suggesting is that if you have any question regarding one of other of the presentation, please forward it to the KICS team so that they will send it to us and then we will reply to you. Thank you very much. Oui, madame, vous voulez dire quelque chose? Okay, good evening. My name is Fatou Diassé from the Gambia. Thank you for the presentation and the hard work. Thank you. Okay, my name is Fatou Diassé from the Gambia. And thank you for those wonderful presentation and the hard work. Mine is just a request. The time is short. And for us to be able to digest this presentation, can the presenters share their presentation with us? It's just a request. If you can share the presentation so that we can digest them in our leisure times. Oui. Bon, je pense que l'organisation a prévu cela. Et donc, toutes les présentations seront ventilées, je pense. Voilà. Et en anglais, qu'est-ce que vous direz? Elle a compris. On doit y retourner dans la salle. Ou bien, c'est notre groupe. Hein? On garde toujours la même salle et c'est d'autres acteurs, c'est ça? OK. Je vous remercie. Thank you. Ok, merci beaucoup. Colleagues, just to announce, we are going directly into the next session. And then once we are done, we'll just go down to have tea and enjoy the culture, the ceremony, and all these beautiful things. So just move to the next room in case you have to move.